Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Ce mois-ci, nous partons à Bouzelles, à l'auberge du Verluisant, un restaurant qui, depuis presque 30 ans, fait partie de ces rares établissements qui ne nous déçoivent jamais. Nous parlerons vin avec Philippe en fin d'émission. Pour commencer, nous sommes à Volvic, sur le site de la Source, pour découvrir l'histoire d'une eau qui porte l'image de notre région dans le monde entier. L'eau de Volvic est une des plus grandes marques d'eau dans le monde, et pourtant, son histoire, elle, est très récente. Il y a presque 50 ans, le ministère de la Santé et l'Académie de médecine décident de labelliser l'eau de Volvic « eau minérale naturelle ». C'est-à-dire que c'est une eau qui est créée par la nature et qui est protégée par l'homme. Créée par la nature puisque l'eau de Volvic, elle est dans la bouteille exactement telle qu'on va la capter à une centaine de mètres de profondeur. Les gouttes d'eau de pluie et d'eau de neige qui tombent sur le territoire qui s'appelle l'impluvium, c'est-à-dire le bassin versant de Volvic, ces gouttes d'eau de pluie et de neige vont mettre 5 ans à traverser lentement les différentes couches de roches volcaniques pour s'enrichir en minéraux et donner sa composition unique à l'eau de Volvic. Aujourd'hui, l'usine Volvic, implantée dans la ville du même nom, fait travailler 850 personnes et elle est devenue la deuxième industrie agroalimentaire d'Auvergne. L'usine produit 1,2 milliard de bouteilles par an, ce qui est un chiffre absolument énorme. C'est l'une des plus grandes usines d'embouteillage au monde. Et si on ramène ce chiffre à la seconde, eh bien 40 bouteilles de Volvic sont bues chaque seconde, toute l'année, jour et nuit, dans le monde entier. Volvic est présente dans près de 65 pays et d'ailleurs, plus des trois quarts des bouteilles que nous produisons ici, à Volvic, en Auvergne, sont exportées à l'étranger. Depuis les années 80, Volvic a décidé d'élargir sa gamme de produits avec Volvic aromatisé. En 2013, suite aux préconisations de l'Organisme mondial de la santé de boire 1,5 litre d'eau par jour, Volvic lance des boissons plus plaisir. Alors Volvic Zest sont des boissons qui ont des arômes naturels et une proportion en sucre très faible. Et Volvic au jus sont des boissons sans conservateurs, sans édulcorants, qui ont des arômes et du jus de fruits 100% naturel et qui ont une teneur de 80% de minéral naturel Volvic. Les beaux jours vous donneront sûrement l'envie de découvrir cette nouvelle gamme composée de 7 parfums, dont deux nouveaux cette année, pêche et citron. En pleine Toscane auvergnate, l'auberge du Verluisant est installée à Bouzelles, dans un charmant village du Puy-de-Dôme. Ce restaurant, c'est l'histoire d'un duo professionnel avec Jean-Christophe en cuisine et André en salle qui n'ont qu'une idée en tête, vous faire passer un moment culinaire des plus agréables. L'auberge du Verluisant a ouvert ses portes en novembre 1986 dans le charmant petit village de Bouzelles. Jean-Christophe Ralluy, après avoir travaillé pendant quelques années en Angleterre, décide de réhabiliter l'ancienne écurie appartenant à ses parents et de faire un bout de chemin dans ce restaurant avec son frère sommelier. Jean-Christophe, le chef, aime travailler les produits de la mer. Sa grand-mère était poissonnière et il prend autant de plaisir à préparer des plats salés ou sucrés. Alors ma cuisine est relativement classique. J'apporte un peu de modernité dans la présentation, dans la légèreté, en éliminant certains produits comme toutes les matières grasses. On travaille beaucoup le végétal, beaucoup le légume, les petites herbes. On fait plus facilement un jus qu'une sauce. On va préparer des petites vinaigrettes aux herbes également pour agrémenter les poissons, les viandes, certaines entrées également. En 1994, le guide Michelin décerne l'équivalent du Bib Gourmand d'aujourd'hui. Et 20 ans après, ce prix est toujours d'actualité. Après le départ de son frère, Jean-Christophe vient débaucher André comme maître d'hôtel. Très vite, chacun trouve sa place et ils deviennent associés. Ils nous perçoivent ensemble, main dans la main, professionnellement bien évidemment. Ils nous déclinent plus ou moins de la façon dont ils nous perçoivent. Voilà. Et ayant des amis artistes, ils se sont permis de nous dessiner, de nous reproduire. C'est comme ça que nous voient les clients aussi. Côté artiste, deux potiers de Billon et Lezoux ont réalisé toute la vaisselle de l'établissement, que ce soit les assiettes, les tasses, les broies à eau. En semaine, le midi, du mercredi au vendredi, un menu à faire est proposé avec amuse-bouche, entrée, plat, fromage et dessert pour 16,50€. Si depuis 30 ans, l'auberge du Verluisant fonctionne toujours aussi bien, le secret est vraiment dans ce duo qui vous fera passer un très bon moment, que ce soit côté salle ou côté cuisine. Le château Mourgues-de-Grès est situé en vallée du Rhône, sur l'appellation Costières de Nîmes, au nord de la Camargue.
Terre de vignes et d'abricotiers, le paysage a été façonné par le Rhône. De cépages Syrah et Grenache noir, la cuvée Les Galets Rosés est de couleur rose framboise. Le nez est fruité, fraise des bois, framboise, groseille. L'attaque est vive et intense avec ses notes de fruits rouges frais. Rosé de gastronomie, il s'apprécie à une température de 10 degrés, avec des rougets, avec une cuisine exotique, sucrée-salée, un poulet aux zestes d'orange ou un porc au miel. Au sud de la France, dans le Languedoc, le vignoble des Côtes de Tongue domine la Méditerranée. Depuis 6 générations, le domaine de l'Arjol perpétue la tradition des vins de monocépage et d'assemblage. La cuvée équilibre Sauvignon-Viognier est de robe jaune pâle, au reflet vert cristallin, intense au nez, notes florales et citronnées. En bouche, le vin est sec et fruité, avec des notes de chèvrefeuille et de litchi. Je vous propose de marier ce vin avec la recette du chef, le dos de cabillaud avec ses légumes croquants du moment. Retrouvez toutes les bonnes adresses de mugs sur notre site internet monmug.com. Venez liker notre page Facebook ou venez vous abonner à notre chaîne gastronomique Auvergnate sur YouTube. Dans le prochain numéro, Geoffroy reçoit Jean-Christophe Raluy qui réalisera une recette simple à essayer chez vous. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures gourmandes.